ces plans, c'est mes préférés. Ça met vraiment en valeur le visage. Allez, je vais chercher le coulis. Et ne me jugez pas sur ce look. C'est mon pyjama d'aujourd'hui. Alors, je sais qu'il est très sexy. Mais bon, je préférais vous le préciser, quoi. Chaud, 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 chaud. Il est tellement lourd. Regarde mon biceps, comme il se contracte. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour la partie 2 de Yes Style. Alors si vous n'avez pas suivi, j'ai testé Yes Style une première fois. Il me manquait le deuxième colis qui est ici. Franchement je l'ai reçu au bout de mois quand même hein. Je veux pas dire, c'était un petit peu long quoi. Vous pouvez bien imaginer, des fois je reçois des trucs au bout de 2 semaines. Je me rappelle plus ce que j'ai pris. Alors là au bout ça doit faire quoi, 2 mois que j'ai commandé. Je sais que j'ai pris des tatous, c'est tout ce que je sais. Cette vidéo est en collab avec Yes Style et du coup j'ai un code promo pour vous. Donc au moins si vous craquez sur des trucs, vous avez 10% en plus sur tout le site. Excusez-moi de cette luminosité, c'est que le soleil se régale à jouer à cache-cache. Hein. Et du coup, voilà, là je vais devenir jaune. J'arrive de dire, c'est parti. Commençons à ouvrir. Non mais aujourd'hui je vous dis, je suis super excitée. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans que j'ai pas filmé. Et je l'invite tellement à voir ce que j'ai pris. Parce qu'il faut savoir, sur les styles t'as tellement de choses. J'ai pas pris que des vêtements. Je sais que j'ai pris non je sais plus. Bon il est déjà ouvert parce que quand j'ai reçu je savais pas ce que c'était. Je vais un petit peu ouvrir l'angle de la caméra comme ceci. Voilà, déjà je crois qu'on a plein de tatous. Alors je vous ai écouté sous ma première vidéo. Je vais faire une vidéo 24 heures, une journée genre total look mais différent quoi. Je vais me tatouer de la tête aux pieds, perruque, make-up et tout. On va passer la journée ensemble. Donc j'ai pris des butterfly parce que j'adore les papillons. En plus je voudrais trop m'en faire un tatoué là, enfin bref. Franchement, je l'invite à faire cette vidéo. Je sais pas quand c'est qu'elle sortira, mais elle sortira. Hop, commençons par cette chose. Oh, ça, avec un petit bronzage d'été, ça peut être très joli quoi. Et en plus c'est cool parce que pas obligé de mettre de soutien-gorge. C'est rembourré genre. Et la petite fermeture ici. On va voir si j'ai pris un bas, j'espère. Quelle est cette chose? Ah, un t-shirt. Moi qui est épais. XL. Pourquoi j'ai pris? Ça, franchement, je ne vais pas l'essayer. Hein. C'est un t-shirt basique. Hein. Mais il faut des choses basiques dans la vie. J'aimerais bien avoir un bas quand même. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Oh non, c'est une... C'est une combinaison. On n'arrivera pas à l'essayer ce top. Donc petite, enfin petite, grande. Hein. Moi, ça m'a l'air grande ça. J'ai pris taille M. J'aurais peut-être dû prendre taille S. Mais j'adore la couleur, la matière nickel. C'est pas un truc trop fin. Essayons-la tout de suite. Bonjour madame. Alors, elle est où cette fuite d'eau? Ah non, ça dit, on va voir avec la ceinture. Peut-être ça va tout changer. Jack. Et pourquoi pas, peut-être que le plombier va se transformer en déesse. Même aujourd'hui je dis n'importe quoi. Oh il y a des poches. Mais j'ai envie de te dire qu'elle est très jolie cette combi quoi. Je dirais les manches. Hein. Les manches trop longues. Ça fait vachement safari quoi. Ouais tu vois je préfère un peu plus. Mais franchement honnêtement elle est super bien ce combi. J'aime beaucoup. Premier article ça commence très bien. Hein. Allez bah, j'aimerais bien quand même essayer ce petit haut là. Faut que je trouve encore un bas. Bon écoute ça va pas du tout aller. Mais je me suis pris un short. Pour voir. Alors ça c'est ma vie l'été franchement. Mais putain les filles choquées là. C'est là que je vous explique un petit peu. J'avais commandé sur un site chinois qui s'appelle Shikmi. Oh my godness, ceux qui me suivent sur Insta le savent, ça vaut rien. Mais alors, jamais de la vie commander sur ce site. Hein. Du coup, on essaye hein, ça et ça. On commence par quoi? Allez, on commence par le haut. Le haut est très très joli. Je pense qu'il peut s'adapter à plein de formes de poitrine. Le seul hic, c'est que j'ai l'impression qu'on voit quand même la coque dessous. C'est vraiment dommage parce qu'il est magnifique. J'aime trop. Vraiment, j'adore. Ensuite, le short. I love it. Truc tout simple, hein, mais il taille trop bien. Il est épais. Ça fait vraiment un short de sport, mais de bonne qualité et tout. Honnêtement, le short, je vous recommande à 100%. Même le haut, c'est dommage, la coque, là. Passons à l'article suivant. Alors, ça, on dirait une robe. Peut-être une combi. Qu'elle est jolie. Si elle taille bien, elle va être jolie. Ah ben non j'aime pas, des petites manches comme ça là qui font très princesse, j'aime pas mais par contre j'adore le bas. C'est une taille unique, donc déjà, enfin je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que ça taille assez grand. Surtout que le cordon en fait c'est un faux quoi, ça se resserre pas. C'est trop dommage parce que le bas est super joli, ça fait très petite princesse tout ça. Passons au suivant. Oh, je m'en rappelle mais vraiment mais tellement pas, mais d'un côté ça tue, j'ai l'impression de recevoir une surprise. Hein. C'est une robe noire mais avec le fond en fait transparent, un peu dentelle genre. Essayons là. Non c'est pas possible.
J'ai pris taille M. J'ai dû louper quelque chose. Hein, parce qu'il y a plein de cordons. Ah! Mais ça se resserre! Yes! Je me disais, c'était pas possible. Hein. Alors, attends, on va attacher. Parce que, je comprends rien avec tous ces trucs, moi. Je crois que je vais la kiffer, cette robe. Hein, si je vous dis que ça me fait des crampes au bras. Ok. Ouh. Franchement, cette robe est trop mignonne. Vraiment, j'ai eu peur parce que je savais que j'allais la kiffer. J'avais pas vu le cordon et en fait, ça fait super joli. Ah, je suis contente. Ben, franchement, hein, pour l'instant, on est plutôt bien. Hein. Passons au suivant. Là, par contre, hein, déjà, j'annonce hein, direct. J'aime pas. Quel est ce motif que crème après les lunettes? Taille S. Ah, c'est une robe longue. Mais quel dommage. Oh là là, la forme, la fente des pommes dénudées. Alors déjà, prenez votre taille habituelle, ne prenez pas plus grand. Parce que de tout ce que j'ai pris, il faut prendre sa taille. Hein. Elle taille super bien. Bon, la qualité, elle est pas ouf, hein, mais ça rend quand même super bien. Ah ben là, je sais pas quoi faire du coup. Dites-moi en commentaire, hein. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la garde? Franchement, elle est belle, hein. Le petit bandeau froissé comme ça, les pommes dénudées. Passons au prochain article. Merci le soleil. Donc ça, c'est une taille unique. Oh, j'adore. Chevalite. Elle est trop belle. Là, déjà, peut-être un peu courte. Hein. Mais la couleur, la forme, la matière, hein, j'aime trop. Essayons-la de suite. Ok, bon, là, j'ai pas mis de soutif. J'ai peur que ça se voit. Je sais pas, j'ai un problème avec le haut. Il y a quelque chose qui me dérange sur le haut. Franchement, elle est mignonne, quand même. Mais c'est pas le coup de cœur. Passons au prochain. Là, ce qui me vient en tête, c'est pourquoi j'ai pris ça. C'est étonnant, hein? C'est pas un truc que j'aurais pris habituellement. Ah, c'est beaucoup trop grand en bas. Le haut, j'aime bien, parce que moi, j'aime bien les trucs croisés comme ça. Mais franchement, elle pue. J'ai rien qu'à l'enlever. Enfin, c'est pas moche, hein? Il manquerait une ceinture, hein? Mais ça fait trop grand pour moi en bas, quoi. Allez, faire une robe. Ah là, la matière, j'aime pas du tout. Là, on est dans les trucs matière horrible. Et le motif est pas foufou, quoi. Hein. Essayons-la. Alors, je pense que je l'avais prise et pensant pouvoir mettre mes épaules dehors, mais on peut pas. Je sais pas trop quoi en penser. Enfin, la Fanta, franchement, je l'adore. Elle est bien haute comme il faut, tu vois. Mais la matière, quoi, tu sais, j'aime pas la matière. Mais c'est une robe qui fait de l'effet, quand même, je trouve. Allez, passons au prochain article. Alors ça, on dirait un petit top. Je sais pas si je vous ai dit, j'ai pris un taille ESL, la robe. Ok, un petit haut, tout simple, comme ça, on essayera si on a un bas. Allez, écoute, un petit jean que j'ai pris, un taille M. Hein. Ah oui, c'est vrai. T'as vu tous les boutons que t'as? Et je pense que ça peut être pas mal pour resserrer à la taille si c'est trop grand. Mais déjà, franchement, comme ça, la qualité, elle est très bien. Ben écoute, moi, on va essayer ça et le petit top. Oh, punaise. Les trous sont pas faits. Et je sais pas où j'ai mis mon ciseau. Bon, tapis, on va essayer d'imaginer. Hein. Bon, normalement, tu l'attaches normal comme ça. Et tu vois, c'est trop grand. Et genre, avec cela, tu viens attacher. Et du coup, ça serre. Et franchement, il est plutôt pas mal. Enfin, niveau longueur, pour moi, il est mais pile poil. Je fais 1m60. Hein. Il arrive juste au talon. Mais je l'aime bien. La couleur et tout, franchement. Pour le haut, écoutez, rien à redire. Hein. Il est très bien. Hein. Pas besoin de mettre de soutien-gorge. Il sert assez bien. Pour voir ça, on dirait un autre petit haut. Ah, peut-être pour le t-shirt, je suis en train de penser. Parce que j'adore l'effet t-shirt loose. Hein, avec un petit corset, tu vois, comme ça. Bon, comme ça, ça va pas du rêve. Même pas du tout, quoi. Mais il est très très joli, ce petit corset. Honnêtement, tu mets ça sur un haut, il est très très beau. Ensuite, oh, it's coloré. Bon, ça, je vais même pas l'essayer, c'est un truc simple. Bon, là, pour rester à la maison, ou tu vois, être à l'aise, hein, je trouve ça mignon. Après, je t'aurais dit, je l'aurais vu en magasin, jamais je l'aurais acheté. Ensuite, ça, qu'est-ce que c'est? Taille unique. Ok, donc c'est une combinaison. Pas trop fan encore du motif, mais encore ça va, ça peut le faire. Ok, alors qu'est-ce qu'on en pense? Moi, je suis très mal là, hein, je peux pas bouger les épaules, rien. Mais j'aime beaucoup la forme, j'aime beaucoup les volants au niveau des manches, hein. Les fentes, bien sûr, comme toujours, au niveau du bas. Si, je pense que je vais la garder quand même, hein. J'aime bien. Je suis contente. Tu sais, de plus en plus, j'aime en fait. Elle est très jolie. Juste le haut, on va mettre un soutien-gorge parce que j'ai l'impression d'avoir des. C'est pas des seins en poire que j'ai là, c'est des. Ensuite, suivant. Oh, ça j'aime par contre ce motif. Taille unique aussi. Il y a beaucoup de tailles uniques hein, sur YesStyle. Ah, mais c'est une combi. D'accord, c'est une combi, je crois, une robe. Hein. Je pense que je vais pas kiffer parce que t'as vu où elle arrive. Hein. Oh non, quelle horreur. It's not possible, les filles, cette longueur, mais horrible. Déjà, je suis petite, ça retrécit, ça me laisse apparaître mes chevilles que je n'aime pas. Horrible. No, continuons. Ah, one size encore. Donc, petit ensemble. Oh, la matière est spéciale. J'aime beaucoup. Petite jupe comme ça, avec le haut. Alors, cet ensemble, je sais pas quoi en penser parce que ça fait très années...
Non, j'en sais rien, j'ai toujours été une quiche en histoire. Je trouve ça très joli, mais ça fait ancien quoi. Peut-être les années pin-up ou quoi, je... Hein? Pour celles qui aiment ce style-là, franchement, c'est très joli. Attends. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Attends, laisse-moi réfléchir, j'ai dû prendre ça pour une vidéo ou quoi, c'est pas possible. Bon, on va voir si on a un bain pour essayer avec. En fait, j'ai que ça là, qu'est-ce que c'est ça? J'ai envie de l'ouvrir maintenant. Allez. Ça m'intrigue trop ça. Il y en a deux. Oh oui, c'est vrai! C'est un faux cactus! Oh, on a des petites pierres, mais c'est génial! Tu sais que c'est bizarre, dis. Donc, genre, tu le plantes. T'as les petits cailloux. Pour voir l'autre. Je me rappelle, il y en avait plein et j'avais trop hésité. Et normalement, celui-là, il est vert. Non, pas du tout. Pourquoi j'ai pas pris un vert? Je sais pas trop quoi, ben c'est une petite arbre, un petit palmier. Ok, on peut continuer dans les vêtements, mais cette vidéo va durer des heures. Qu'est-ce que... Alors, un truc compliqué là. Ah non, c'est un petit t-shirt comme ça. Et en fait, ça, tu le noues. Je vais le tester vite fait. Déjà comme ça, j'aime beaucoup. Enfin voilà quoi, tu vois un petit peu le style. Mais c'est un très joli t-shirt, la qualité, elle est super. Enfin, très simple, c'est assez fin, hein. Mais stretch, joli décolleté. Non, franchement, rien à dire. Hein. Ensuite, alors ça, j'ai une robe avec exactement le même motif, quoi. Ah ça c'est les petites robes que j'adore. Mais par contre attention ça rétrécit parce que celle que j'avais, la même matière et tout, un truc très fin comme ça, tu le laves au bout de quelques lavages, malheureusement ça rétrécit. La voilà portée, franchement elle est très mignonne. Hein. Ça c'est un truc très simple, très joli, elle est pas trop courte, surtout derrière. Hein. Ah moi j'adore, j'adore ces robes et c'est très très léger, donc pour l'été c'est parfait. Voilà là tout ce qu'il nous reste à essayer encore. My gosh, qu'est-ce que c'est ça? Combinaison avec la ceinture, hein, comme ça. Ok, alors j'aime pas du tout. On dirait que je vais faire un petit combat de karaté. Hein. Ça fait très... Ça fait trop kimono en fait. J'aime pas. Mais ça, non. Après, on a des petites poches, mais ouais, non, ça fait trop... Ensuite, oh j'aime cette couleur, qu'est-ce que c'est? C'est taille S, c'est un pantalon, d'habitude je prends M. Ah mais sûrement il devait y avoir des commentaires ou des photos, tu sais, je faisais en fonction. Hein. Ça c'est important, allez voir les commentaires quand vous achetez quelque chose. Hein. Enfin là vous avez les commentaires en direct, c'est plutôt cool. Il est très joli ce petit pantalon, dis-moi. Il est large, il est fluide, la matière elle est super, mais il me faudrait un petit haut quand même. Hein. Un petit haut, alors j'ai pris taille S, hein. Non normalement ça sera pas trop petit, et ça, petite photo Insta, make up et flower, bon les deux ensemble c'est une horreur, ça va pas, donc commençons par le haut, oui on m'en voit à travers non, je le vois pas en vrai, mais là sur le retour j'ai vu deux petits tétons foncés là, bon, on va mettre les mains au cas où, hein. Très joli ce petit haut, franchement, j'aime beaucoup les manches, là tu vois les manches ballon mais en épaule dénudée, j'adore, hein. Après vraiment à mettre, je sais pas, pour des photos ou une occasion, c'est pas quelque chose que je mettrais en journée quoi, et le pantalon, mais t'as vu comme ça, le pantalon franchement, pareil, hein, bon taille US, hein. C'est un pantalon fluide qui est très bien. Il met en valeur les fesses avec des pincements, tu sais, ici que tu as. Par contre, enfin, pour les grandes, il sera court. Je fais 1m60, hein, il m'arrive à pile poil. Franchement, j'aime beaucoup. Je regrette de ne pas l'avoir pris en noir. Ensuite, taille S. C'est la même robe que la noire, mais en rose. Oh, qu'est-ce que c'est? Alors ça va pas du tout, là. Mais qu'est-ce que vous m'avez fait à style? Ah non. Enfin, pour moi, ça on dirait que ça a été délavé, tu sais. Ça va pas du tout, je l'essaye même pas. Puis, de toute façon, on a vu en noir ce que ça donnait. Il nous reste à essayer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il nous reste 7 articles à essayer. Et franchement, ça, ça m'intrigue trop. Par contre, je vois taille L. Ah oui, en effet. Ça taille petit, oh. Mais qu'est-ce que c'est beau. Regardez-moi cette beauté. J'adore, c'est magnifique. Oh là là. Donc là, tu vois, j'ai dû voir les commentaires. Heureusement, j'ai pris taille L. Et je pense que ça m'ira bien. On va voir, mais c'est magnifique. Hein. Ça fait corset avec ses broderies. Sublime. C'est beau, hein. Je sais pas quoi me penser. Là, j'aimerais être styliste, tu vois. Parce que ça fait lingerie un petit peu. À cause de ce petit effet ici. Et les bretelles. Les bretelles, ça va pas. Elles s'enlèvent, mais bon, si tu l'enlèves, hein, pour voir. Si tu l'enlèves, c'est plutôt pas mal, dis. C'est mieux même. Bon, ne faites pas attention aux bretelles. La qualité est vraiment bien, quoi. Il est magnifique, ce haut. Mais genre, il faudrait le faire à un vrai bustier. Tu vois, rien que tchac, tu rentres un petit peu, ça fait un effet un peu plus arrondi. C'est beau. Je trouve ça magnifique, les filles. Mais vraiment, gros gros coup de cœur, même si c'est pas parfait. C'est trop beau. J'aime trop. Ah, mais c'est vrai.
Est-ce qu'on essaye ça? Allez, vite fait. Il me manque les lunettes de star, tu vois. Mon petit chihuahua dans le sac et on est bon, quoi. Après, ça me fait impression parce que c'est des vraies plumes. Hein. Et toujours le truc, moi, je me demande comment ils ont fait pour les avoir. Enfin, tu sais, la souffrance animale, ça me fait tellement peur de participer à ça. J'ai toujours peur de ça et ça me fait bizarre d'avoir des vraies plumes, quoi. Du duvet, tu sais. Mais voilà, petit top très Paris Hilton, quoi. Prochain article. Ça m'a l'air très joli, ça. Ça fait robe un petit peu... ancien temps, peut-être même un petit peu trop. Je sais pas quoi en penser. Parce que ça fait très Versailles, très Louis XIV, quoi, je trouve. Hein. Le fond, ça fait très dentelle ancienne. Mais après, la couleur est très jolie. Les motifs très beaux avec le voile par-dessus. I don't know. Prochain. Ah, donc là, on a un tissu un peu plus épais que les autres petites robes. Hein. Pas fan du motif, mais peut-être porté, vu que je vois qu'elle a les épaules dénudées. Là, c'est pas possible, je suis esquichée. Ah, je peux pas. Elle m'est trop petite. Hein. Ce petit cordon est très laid quand même. Hein. Bon, ben voilà, c'est dommage parce que je pense que je l'aurais kiffé. J'aurais dû prendre taille M. Pour voir, prochain article. Alors, c'est un pantalon en taille S. Un petit peu du même style que le jaune là, sauf que ça fait plus tailleur. Mais il peut être très joli. J'aime bien. Est-ce qu'on aurait un petit haut? Je vais ouvrir les deux derniers articles là. Et ensuite, pour finir, on essaiera le pantalon avec un petit top noir là. Ah, une combi avec le bas froufrou comme ça. J'aime pas du tout. Alors, pas du tout. Tu sais ça, ça s'attache comme ça. Et même le bas. Horrible même. Et dernier article. Maman, mais qu'est-ce que c'est cette robe? Elle est immense. Là, c'est un tissu épais quoi. Marie-Antoinette arrive. Honnêtement, je sais pas. I don't know, encore une fois. Ça fait princesse à fond. À de ça dit. T'as vu, ça fait une forme un petit peu évasée. Ça fait trop princesse, je trouve. Après, franchement, la forme est trop belle. Le tissu est épais. J'ai pris taille S, nickel, à part. J'avais oublié ce détail. La circulation du sang a du mal à passer. Et après, pour des photos... Enfin, toujours je dis ça, je fais jamais de photos. Mais ça y est. Carton vide. Ah, mais il y a le pantalon à essayer quand même. Je crois que nous avons le pantalon parfait, les filles. Il est trop beau, il va trop bien, et en plus il est pas trop long. Il fait un super beau fessier, les filles. Il sert vachement bien là, avec les petites poches en haut comme ça. Il est fluide, trop bien, trop contente. Et bien, heureusement qu'on l'a essayé ce pantalon. Hein. Donc voilà pour cette vidéo finie, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, que vous avez passé un bon moment à ma compagnie. Moi je peux vous dire que j'ai kiffé cette vidéo, mais tous ces vêtements. Attends, on a dit on teste YesStyle, là j'ai testé YesStyle. Je vous remets mon code promo juste ici, les liens qu'il faut en barre d'infos. Je vous fais plein à tous énormes. Gros bisous et on se dit à la prochaine. Ciao ciao.